et par l'Esprit qui console, sûrement tu les contiens. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient ton Père qui est par moi. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire, Seigneur, à toi et à toi seul, qui es le créateur de l'univers, le maître de toutes choses. En ce beau jour, nous sommes ici dans ces lieux, Seigneur, après avoir traversé une semaine difficile. Tu étais là, Seigneur, comme conducteur, comme guide, comme appui, comme berger. Nous rendons gloire à toi, Seigneur. En signe de reconnaissance et de remerciement, nous sommes ici ce matin, oh Dieu, pour offrir à toi, Seigneur, le culte de ce matin. Que le culte de ce matin soit agréable et acceptable. Bénis la personne qui nous dirige, Seigneur. Les personnes qui sont encore au bout de route, qui n'ont pas encore arrivé, que leur part soit assurée et leur sécurité soit prise en compte, Seigneur. Et tout ce qui sera à faire, Seigneur, au cours de ce service, que ton Saint-Esprit soit vraiment présent, Seigneur. Nous réclamons, ô Dieu, la présence de ton Esprit. Ta sainte présence qui est la source du bonheur, dans la joie et la tristesse, elle est le repos du cœur. Sois avec nous, Seigneur, écoute notre prière. Et que nos cœurs soient disposés à l'écoute de ta parole. Sois avec nous, Seigneur. Nous sommes sûrs et certains que tu es là. Là, deux ou trois sont assemblés en ton nom. Tu es là, Seigneur, au milieu de nous. Et que tu vas nous accorder, Seigneur, le don dont nous avons besoin. Sois avec nous, Seigneur, écoute notre prière dans les noms précis de notre divin sauveur. À lui soit la gloire maintenant pour toujours. Amen. Amen. Nous allons lire alternativement le psaume 24. Nous avons un problème technique. Je vous invite à prendre vos bibles pour pouvoir faire cette lecture et après quoi nous chanterons Présence au guichet par Sylvain. Vous y êtes? À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son dessein? Celui qui a la main innocente et le calcul, celui qui ne livre pas son âme pour mensonge et ne joue pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le bataille de la génération de l'Europe, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire, l'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée à l'unisson. Qui donc est ce roi de gloire, l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada.
c'est parce qu'il change l'hiver en été. Proposition qui font plaisir matin. Je vous fais proposant à Dieu va passer de prier à votre voix, prier dans vos cœurs. Non, vraiment, prier, mon Dieu. Moi, je suis capable. Si vous avez poussé et de vous prier, mon Dieu, la terre, vous capable de parler avec lui. Si vous avez poussé et pour sauver la prière, priez dans vos cœurs, fermez vos yeux et réfléchissez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier pour cet appel. Merci parce que tu nous as appelés et tu as ouvert nos oreilles pour entendre cet appel. Oui, Seigneur, nous sommes avancés en plein eau. Nous sommes avancés vers toi en tant que le capitaine. Et dans notre Dieu, tu as dit si quelqu'un entend mon appel et veut avancer vers moi, qu'il renonce à lui-même. Seigneur, ce matin, nous n'avons pas tout à fait les forces nécessaires pour renoncer. Parce que nous avions tellement de choses sous nos bois. Nous avions tellement de choses, éternellement touchées dans nos mains. Ce n'est pas facile de les jeter tous. Mais ce matin, tu as dit à ta servante, tu lui as poussé de dire, tu es celui qui nettoie. Tu es celui, éternel notre Dieu. Quand tout semblait noir dans notre vie, devant nous, cher Seigneur, en nous, tu es celui qui est capable de nous nettoyer. Merci Seigneur, parce que tu nous as nettoyés. Là où nous étions, dans le fond du fond, éternel notre Dieu, tu nous as pris, tu nous as nettoyés. Combien, cher Seigneur, de boue, combien de tonnes de boue, éternel notre Dieu, qui nous avait encombrés, tu les as tous enlevés, Père. Alléluia. Ce matin, tu nous as placés parmi les gens sauvés. Nous pouvons, cher Seigneur, témoigner ce matin pour dire, oui, tu es celui qui peut changer l'hiver en été. Alléluia. Parce que nous avons la preuve, parce que nous sommes là au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton peuple. Merci pour tes enfants à jamais. Merci pour ce moment béni, éternel, notre Dieu. Merci pour ta présence parmi nous, éternel, notre Dieu, ce matin. Merci pour chaque frère et sœur que tu as permis, cher Seigneur, de se réveiller ce matin en bonne santé, en pleine santé, éternel, notre Dieu. Pas n'importe quelle santé, mon Dieu. Alléluia. Et tu nous as ramenés jusqu'ici pour te donner gloire, pour te louer. Parce que tu n'es pas quelqu'un qui peut nous demander ce que tu ne nous as pas donné. Si tu nous demandes de te donner gloire, c'est parce que si c'est premier éternel que Dieu, tu nous donnes la possibilité de te donner gloire. Si tu nous demandes de chanter pour toi ce matin, c'est parce que tu nous as donné la capacité de chanter. Oui, Seigneur, nous sommes là pour chanter, pour t'exalter, pour te louer, pour dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux, Seigneur. Père, nous te demandons pardon pour nos péchés. Pardon, éternel notre Dieu, pour nos culpabilités. Nous avons, cher Seigneur, parfois, éternel notre Dieu, nous avons honte de venir vers toi. Parce que nous avons tellement peur des choses, parfois des choses même abominables, éternel notre Dieu, à ta présence. Et malgré tout, tu ne nous as pas rejetés, Seigneur. Tu ne nous as pas rejetés. Au lieu de nous jeter loin de toi, mon Dieu, pour éviter, éternel notre Dieu, que toi, tu t'es souillé à cause de nous, mais tu nous embrasses, Père. Nous sommes là ce matin pour te donner gloire.
pardonne-nous, Seigneur. Éternel notre Dieu, avec un certain moment, nous avons chanté comme écrit le texte. Alléluia, plus de doute. Heureux pour l'éternité. Alléluia. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette espérance, éternel notre Dieu. Maintenant, nous remettre chaque personne qui est sale dans la mer. Ou même qui compte nettoyer, ça y est qui sale, qui parle en compte qui sale. Mando capable vous visser, ou qui aura le compte qui est sale. Ça y est, éternel notre Dieu, que vous même ou qui t'en nettoyer déjà fait, mando capable de vous espérance, de vous la certitude, mon Dieu, ou visser, ou de rendre compte qui est le monde qui nettoyer, il n'y a pas de droit de retourner dans la gloire encore, Père. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci. Merci parce qu'on va nous vocal matin. Merci parce qu'on fait nous tourner vers nous-mêmes. Merci parce que nous ne pouvons pas prendre santé au bas de moi pour nous entrer dans la boue avec l'autre qui pagaille dans la vie. Merci, bon Dieu, parce qu'on ne peut pas quitter nous trahir. Parce qu'on dit que nous retournons dans la boue, c'est trahir, nous trahir, mon Dieu. Merci pour les musiciens, mon Dieu, qui ont pas reconnaissance. Ils ont pas pris connaissance dans le voyage dans le bal. Ils n'ont pas pris voyage dans la boîte de nuit. Ils ont pris pour vivre dans la gloire, mon Dieu. Merci parce qu'on ouvre chez nous. Merci parce qu'on va nous dire que l'autre n'a pas gagné, mon Dieu. Merci parce qu'on permet que nous voyons les choses d'autre manière. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Merci. Et merci encore, Père. Seigneur. Je mets cette assemblée entre terre. Partout dans le monde, il y a des assemblées qui se réunissent. Il y en a qui se disent dans ton nom. Mais il y a aussi qui réunit, qui rassemblent, qui cachent derrière l'assemblée. Là, qui cachent des noms, éternel notre Dieu, pour faire des sacrifices, pour faire des malversations. Mais nous mêmes nous remercions la terre parce qu'on permet de nous réunir pour faire une gloire. Nous réunis, mon Dieu, parce que nous devons réunir, cher Seigneur, parce qu'en réunissant ensemble, nous sommes ton Église. Nous sommes ton Église. Car d'ici, nous sommes l'Église, ou même, ou c'est chef, nous. Ou même, éternel notre Dieu, ou c'est maître, nous. Ou c'est Seigneur, nous, mon Dieu. Pour montrer preuve là, cher Seigneur. Ça fait depuis des ans, l'éternel notre Dieu. Le monde a boumé avec l'éternel notre Dieu une situation sanitaire déplorable. Ça fait presque plus de des ans, l'éternel notre Dieu. Les responsables chefs d'État, l'éternel notre Dieu, les responsables de ce monde, ils ont cherché partout et ailleurs pour trouver solution. Ils ont tenté partout, mon Dieu. Ils n'ont pas qu'à joindre une solution. Mais au même pour le monde qui pourra. Vous comptez comment vous mettez la part. Moune qui pourra être dans notre Dieu, vous cachez les sous-mêmes tout. Quand vous leur cachez nous sous-mêmes tout. Pas d'exception, quel que soit ça qui contraire avec volonté pour nous, qu'apparence de nous, à pas d'éantir à jamais. C'est ça qu'on fait pour nous, mon Dieu. Vous protégez nous. Vous faites nous comme un petit grain de maïs que vous placez dans une bouteille. Un Hélène a gardé nous. Parfois, vous pensez tout ça, vous avez fait. Mais malheureusement, vous n'avez pas arrivé sur nous. Seigneur, combien a pris votre besoin maintenant pour nous, papa, nous merci. Combien a pris votre besoin pour nous, papa, marcher avec chez nous, notre train à terre. Combien a pris votre besoin pour nous, papa, marcher avec Dieu, de nous lever en l'aide de notre Dieu. Alléluia. Seigneur, nous nous merci, ma vie, parce que nous n'avons pas l'autre mot pour nous dire. Nous nous merci. Merci mon Dieu, merci pour les responsables de cette assemblée. Merci pour la façon que tu as servi avec. Merci pour la vision éternelle de notre Dieu qui lui a donné de ce travail. Merci parce qu'on communique avec eux, mon Dieu. Parce que si ce n'est pas vous-même qui te communique avec eux, vous avez tenté où est le monde là. Vous n'avez pas dit la gueule qui vient de vous. Vous n'avez pas fait la gueule que vous-même vous avez fait. Mais on communique avec eux parce qu'ils ont une condition pour vous. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit bon. Mais vous faites effort, vous mettez dans la condition et au monde, vous ne pouvez jamais manger effort personne. Nous nous merci pour le monde comme famille. Merci pour l'équipe éternelle de Dieu. Comité administratif qui est placé à côté des pasteurs pour réfléchir pour ce travail. Pour qu'on condition de vivre, qu'on dit état de vivre. Parfois,
l'autre a critiqué. Parfois, comportement n'est pas même bon. Mais on même qui compte changer comportement, on même qui compte changer situation, on est capable de changer, mon Dieu, afin que vous capable de continuer le travail pour vous. Merci les différents groupes de l'Église. Merci pour les enfants, nos enfants. Alléluia. Nos pépinières, l'Éternel, notre Dieu. Nous demandons, mon Dieu, voyez un préparateur spécial pour capable de préparer des pépinières sales et puis vous prendre relève pour que le travail va continuer à marcher. Ça fait longtemps. Et nous, je te crois d'après dans une vraie auto vivant. Je suis toute partie. Je ne veux bien, c'est nous. Nous avons la même espérance là. Peut-être nous tous à partie. Peut-être si nous sommes tous à partie. Avant que vous venez chercher l'église. Mais moi, pendant que vous venez, permettez que vous ayez des préparations qui fait pour capable de garder le travail en tant que gérant, en tant que gardien et gardienne. Merci pour chacun de nous. Merci pour les groupes de louanges qui chantent. Merci Seigneur. Père, dans la minute, ça, moi, mettre les mots dans mes mains. Les mots qui croient ou qui font passer les gens, ils ont dépensé. Mais on désapprouve parce qu'on montre qu'ils ne vont pas posséder en rien. On montre les mots que les mots ne pas en rien. Eh bien, adversaire tombe et fait rage. Adversaire fait ça, dans le monde là. Sauf l'église où il ne fait pas toucher. Merci. Je suis capable de dire nous mettons spécialement pays nous, Haïti dans le pays d'origine. Seigneur, si ce pays pas existé, nous-mêmes, à 50%, nous pas existé. Nous disons à 50% parce qu'on change ADN, nous, pour faire nous les chrétiens. Nous existons dans nous-mêmes. Mais patriotiquement, nous pas existé. Mais demandez au Éternel notre Dieu. Ou même qui compte qui bloque, ou passer dans le pays ça. Ou même qu'on est qui grattoir, ou passer à des calmes là. Ou qu'on soit quitté, ou qu'on soit retiré. Mais seulement, nous ne demandons ou détruire personne. Comme on dit dans la parole, ou pas venir pour tuer personne. Ou pas venir pour détruire les champs. Mon venir pour demander les champs pour déposer les âmes. Afin que les vies soient capables de sauver. Parce que vous venez pour sauver les vies. Seigneur, bénis-nous. Méchants, ça y est. Vous n'avez pas de chants passer Saul. Vous n'avez pas de chants que les Saul t'a persécuté l'église. Les Saul t'a tué les frères et sœurs. Les Saul t'a détruit. Montez mon plan comment vous te prenez. Vous te prenez. Saul devenir, cher Seigneur, des grands écrivains de la Bible, des grands prophètes, des grands témoins, Éternel notre Dieu direct, parce que tu lui as parlé directement. Et c'est un monde qui marchait fait plus de missions, qui prêchait l'évangile et qui laissait en point de vue partout. Combien fois, Éternel notre Dieu, méchant ça y est qui fidèle dans le pays pour tuer pitié tout yo, pour tuer compatriot tout yo. Combien Éternel notre Dieu matin, par pouvoir du Saint-Esprit, par pouvoir du Saint-Versé, en tant que Seigneur des Seigneurs, mando capable de transformer les choses en protecteur, afin que pour marcher, protéger petit peu qui dans le pays, au lieu de détruire. Elle compte sur matin, compte sur présence, sur même qui bénit mène, sur même qui bénit bouche, non. Même qui passe gratuit dans la langue, nous comme on te fait pour Esaïe, que j'ai tant d'autres. Ma terre, si c'est langue nous qui peut empêcher parole nous faire effet vers nous-mêmes, nous sommes capables de gratter pour nous tout ça qui pas bon au nom de Jésus. Si c'est mais nous qui touchons pour tel pas doit toucher, qui rend nous lever l'éternel notre Dieu, qui pas qu'à faire exploit, nous sommes capables de prendre un savon de l'aïeul, l'éternel notre Dieu, pour laver mais nous, mon Dieu, afin qu'elle nous lève mais nous sur malade pour malade à guérir au nom de Jésus, afin qu'elle nous lève mais nous sur situation pour que la situation change au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour Frère Paul qui l'a matin. Merci, mon Dieu, pour tant de personnes qui étaient malades. Eh bien, vous permettez-vous la matin,
Oui, mettre la main au collet au panon et prénom. Frère Wilfried, que nous pas trouvé là à matin. Dans le côté de Dieu, mon Dieu, vous capable de mettre nez au soleil. Mettre nez au soleil, mon Dieu. Afin que côté partout, qu'elle trouve lui. Pour le sentir qu'elle vient aux yeux qui a veillé sur lui. Merci pour mon Dieu, merci pour la sœur Sénadis qui l'a à ma terre, qui l'a été de notre Dieu. Merci pour la sœur Oralis. Nous avons un pouvoir pour nous déquitter qu'elle est. Et on met qui dit le peuple à ma terre. Nous avons un pouvoir pour nous dire mère, qu'elle n'a pas pu passer le corps. Qu'elle n'a pas de pouvoir sur le corps. Mais c'est un monde qui est encore, qu'elle doit obéir au nom de Jésus. Matin, on pénètre là avec chiffon, il en a travail au nom de Jésus. Père, nous bénissons nos gloire. Soit avec nous, mon Dieu, dans les prières le matin. Nous tellement de mots pour nous dire, nous ne pouvons rien ensemble, nous t'avons dit. Mais seulement le soupir que nous faisons, nous devons tenir notre Dieu. Pour capable, pour prendre un soupir ça, pour capable de transformer comme nous l'a osé. Et non soupir ça, que chaque personne qui rentre dans la salle là, les graines de la pluie sont tombées. Il a bénéficié quelque chose. Il a sorti avec quelque chose pour qu'on servir la vie. Pas pour aujourd'hui. Mais pendant tout le temps qu'il a pu sous terre jusqu'à ce qu'on vienne chercher. Quand nous prions le matin, éternel, notre Dieu soit avec nous. Nous prions, ce n'est pas parce qu'il nous bon. Mais nous prions dans le nom de Jésus-Christ qui dit qu'il vive et qu'il règne pour servir les siècles. Amen. 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 Alléluia. Et nous allons prendre une seconde lecture que nous trouverons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 1er jusqu'au verset 5. Sans vouloir vous déranger, bien sûr, je vous prie de bien vouloir vous mettre debout pour faire cette lecture. Ésaïe 43, verset 1 à 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, c'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne submergeront point. Ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne en Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Verset 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Et je te rassemblerai de l'Occident. Que Dieu, d'ailleurs, dans son amour, bénisse cette portion de l'Écriture sainte pour l'édification commune de notre âme. Amen. Vous pouvez vous mettre. J'ai fait place aux responsables pour les annonces de la semaine et les propos de bienvenue. Amen.
que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Amen. Disons ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Amen. Amen. Nous bénissons mon Dieu pour le privilège que l'a accordé à chacun de nous. Et lui permettre que nous signe la matin. Hein. Et ça fait preuve que bon Dieu a abandonné. Amen. Amen. Nous dormons, nous levons, nous faisons toutes activités, nous. Et nous sentons que c'est nécessaire pour nous réunir, pour nous venir adorer le Seigneur. On a demandé à ce qu'il y a un bien-aimé qui visite l'église pour qu'on le fasse matin. Nous n'avons pas une personne qui visite nos premiers frères, il y a une personne. Oui, bon. Je suis mademoiselle Annie Fertulia. Je suis invitée par le père de mes enfants qui est à la maison. On n'a pas bien entendu. Alors, je suis Annie Fertulia. Je pense qu'il y a quelques-uns qui me connaissent, non? Donc voilà, j'étais invitée par mon mari. D'accord. C'est pour la première fois. D'accord. Mais, restez debout, ma soeur. Pardon? Vous ne m'avez pas dit qui est votre mari. Il est juste là. Amen. Amen. C'est monsieur Johnson, Barthélémy, mon père. Amen. 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 Bon, vous, mes frères ou bien messieurs, vous pouvez nous dire votre nom, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Barthélémy Johnson. C'est pas pour la première fois. Mm-hmm. Avant, j'étais l'invité de monsieur Jambi. J'ai l'habitude de venir ici avec mes enfants. Je suis invité ma femme. Merci. Merci d'être venu parmi nous ce matin. Merci à soyez-vous. Merci. Je demande à l'église d'applaudir cette famille. Vous étiez invité par Frère Jean-Louis pour une fois, mais maintenant c'est vous qui invitez votre femme. C'est oui. Bien. Parce que d'habitude, on va me s'attaquer à l'université. D'accord. D'habitude, elle n'est pas. D'ici. D'accord. Alors nous sommes très contents de vous voir avec nous aujourd'hui. Et vous êtes bienvenus dans la maison du Seigneur. Merci. Et savez-vous que vous êtes chez vous. Amen. La maison de Dieu, ce n'est pas notre maison. C'est la maison des enfants de Dieu. Amen. À chaque Amen. Fois que vous êtes arrivés dans une assemblée, là où les gens prient le Seigneur, on n'est pas chez personne. On est dans la maison du Seigneur, sachant qu'il y a un responsable. Amen. Amen. Je ne peux pas dire on n'est pas chez personne, mais ça ne passe pas comme ça. La porte, ça ne va pas tout seul. C'est quelqu'un qui est là pour coordonner les choses, mais sous l'ordre de Dieu. Amen. Amen. Merci que le Seigneur vous bénisse, ma soeur. Merci. Amen. Amen. Nous poursuivons avec nos annonces de la semaine. Et priez pour les ouvriers de l'église, priez pour les femmes enceintes, priez aussi pour les couples qui veulent avoir des enfants. Priez pour ces gens réunis. Et il a parlé ici pour que le Seigneur est capable toujours à côté de lui-même. Il charge aussi pour saluer l'église. On dit l'église de bien là-bas, il veut saluer nous, il pense avec nous. Et puis il dit nous continuer à prier pour lui. Il veut nous prier pour nous aussi. Nous connaissons lorsqu'on dit la partie là-bas en Haïti, c'est vraiment la caille. Mais ce n'est pas trop facile. Le Seigneur est là. Et nous croyons que si bon Dieu et pour prier nous en compte, à un moment donné, ça va finir. Amen. Amen. Priez pour Frère Wilfried et la pointe. Et priez aussi pour les deux enfants de Frère Noël, et qui sont souvent toujours à l'hôpital. Matin, on va à l'hôpital, ils ont adoré avec nous. Mais faire ça, un sujet de prière pour mon Dieu, et capable de mettre un frein dans ça. Amen. Amen. Et pour mon Dieu, mettre un frein dans ça. Parce que de leur prier, mais il faut dire mon Dieu en parole. Amen. Amen. Et nous, quoi, si toute l'église a prié sur ce sujet-là, nous avons une réponse. Amen.
Bon Dieu bénis nous. Après-midi, on a fait un service en ligne à 18h. Et service adoration et louange. On a parlé aux mêmes qui t'avaient participé, qui viennent remercier pour la gloire de Dieu, pour capable envoyer un message pour ça capable de faire. Pas oublier que m'a décidé de lever notre service à domicile pour aller chez la sœur Marie Fabrice. Nous sommes capables de mobiliser pour aider ce matin par le dans la prière. Voilà les sites de levée. Mercredi, si tu veux, 11h30, nous gagnons un cri à midi. Et puis, vendredi, si tu veux, de 20h à 22h, c'est toujours ça qui la délivrance d'après nous pour ce service. Nous gagnons, et ce même vendredi, écrit dans la nuit de 11h45, de 11h15 à 1h15. C'est vrai, on est capable de participer à la musique du possible et pour prier le Seigneur à minuit. Et comme côté a bien dit, toujours, l'été, l'hiver, la nuit, le jour, même à midi, à minuit, lorsque nous réveillons pour nous prier le Seigneur. Amen. Tablier que nous avons annoncé nos forts pendant des années, et qui a privé dans le dernier le 29 août, c'est le dimanche dans l'après-midi, à 18h. Nous avons juste un salle à côté là-bas, et pour l'ordination des servantes et des serviteurs, qui veulent avancer dans l'œuvre de Dieu. C'est en tout cas lorsque nous avons pour cette année, on l'a fait avec les mots. Amen. 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 Sentez-vous, Fred. Ça va, tout va bien? Amen. On vous aime dans le Seigneur. Vous êtes très beau ce matin. Amen. Donc, nous demandons aux responsables d'accueil de bien pouvoir passer. Donner l'ordre aux membres d'accueil de recueillir les dons et l'offrande de l'Assemblée. Et nous allons chanter, nous chanterons, je chanterai ton grand amour. L'hiver, l'été, la nuit, les jours. Pour donner gloire à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, nous, dans ce ciel-là. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour tout le moment que nous avons déjà passé, Seigneur. Pour ce que tu as passé, pour gloire, pour l'honneur, pour l'honneur, pour l'adoration, pour notre mérite, Seigneur. Papa, maintenant, Seigneur, moment où nous, Seigneur, pour tout le monde adorer avec qui est fini au point, Seigneur. Nous demandons au Seigneur, dans l'amour infini au Seigneur, pour capable bénir chaque minute, le Seigneur, qui va être possibilité de nous mettre à toi, Seigneur. Seigneur, en tout, nous souhaitons être capables de continuer de vivre la matin. Même ça, il n'y a pas qu'une possibilité, Seigneur, ou être reconnaître le Seigneur, pour capable de possibilité, moyen, Seigneur, pour capable de en retour, pour pouvoir bénir, Seigneur. Nous allons en qualité de nous qui bon, nous qui dit, nous qui bénir. Amen. Thank you.
place à la personne concernée pour passer, la personne qui va nous communiquer la parole de Dieu sur la terre. Et je souhaite la bienvenue à la sœur Fétile. La sœur qui s'est présentée, je la connais. Je la souhaite la bienvenue parmi nous et que le Seigneur te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. L'Église, bonjour. Bonjour, pasteur. Alléluia. Nous sommes très contents de vous voir ici, dans ce lieu, ce matin, pour adorer le Seigneur comme nous avons fait, en esprit et en vérité. Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est la raison pour laquelle nous pouvons dire toujours, nous sommes en présence de l'absent présent. C'est-à-dire que celui qui dit « Je suis avec vous ». Même lorsque on ne le voit pas, il est là. Amen. C'est la raison pour laquelle nous prenons la force et du courage pour vous dire bon courage ce matin. Amen. Pour vous dire que le Seigneur est là. Même dans le moment le plus pire de ce monde, il est là avec vous. Même lorsque vous remarquez que le monde tourne en autre boudin, ne vous inquiétez pas ou ne nous inquiétons pas, il est là avec vous. Notre devoir, c'est de dire à ceux qui n'acceptent pas encore Christ comme leur sauveur personnel, nous avons un grand Dieu qui prend soin de nous et qui a aussi le contrôle de ce monde, même lorsque, avec difficulté, dont nous connaissons ce moment. Je vous souhaite bon courage dans le Seigneur. Sachez-le bien, vous êtes dans la mission Église évangélique baptiste de la Croix. Elle a toujours une page Facebook et YouTube que nous travaillons, comme vous avez entendu, le pasteur Bruce a bien s'y faire les annonces. Nous vous demandons si vous voulez vous abonner à chaque fois que vous avez, nous sommes sur la page pour que vous soyez vraiment au courant, averti. Nous vous demandons de faire mission Église évangélique baptiste de la Croix sur votre page. Et puis, à votre voix, vous calouez que l'image d'Église apparaît. Et puis, vous appuyez sur cette cloche-là. C'est ça qui permet à chaque fois que nous faisons quelque chose pour l'Église. Que vous aimez nous. Amen. Eh bien, ce matin, nous sommes très heureux d'avoir la sœur Sauvenet d'Olis avec nous ce matin. C'est elle qui a l'opportunité de nous apporter la parole du Seigneur. Nous vous demandons de bien vouloir encore de calme. Ne vous laissez pas intimider par vos amis ou vos voisins des chaises, mes chers amis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Amen. Gloire à Dieu. L'Église, bon Dieu, bénis-nous. Amen. L'Église, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Nous saluons le nom de Jésus-Christ. Comme frère et soeur dans le Seigneur qui a servi même Papa Céleste. Moi, remets-nous en Jésus-Christ. Et même à mon sang, bon Dieu, te voyez cette petite fille Jésus-Christ d'une baille pour nous-mêmes. Et nous te joignons les lectures qui fait avec Coréliste. Merci pour les lectures bien faites. Merci Diakina. Et nous allons dire des mots de prière pour la gloire de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, les dieux de Jacob, les dieux immortels, invisibles, les dieux les créateurs. Seigneur, me voici. Comme Moïse était un Dieu qui n'avait pas de langage, je me plie, je me prosterne devant ta face, éternel Dieu. Je te demande s'il te plaît d'enlever toutes les souillures, les imperfections, toutes choses mauvaises, abominables, éternel Dieu, que tu ne prends pas plaisir. Avec ton tuyau d'arrosage, je sais que si tu veux, Seigneur, tu peux m'arroser pour me faire un dialyse afin que l'Éternel Dieu,
Toi-même, tu peux passer à travers de moi pour parler à ton peuple ce matin. Car ton peuple est assoiffé de ta parole, ils ne veulent pas écouter moi. Mais toi-même, éternel Dieu, à travers de moi, s'il te plaît, utilise-moi comme un instrument pour jouer des bons sons. Au nom de ton fils Jésus-Christ, à lui seul la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Moi, dis bon Dieu, merci. À chaque fois, il fait une grâce et faveur imméritée pour me gagner une opportunité pour me passer derrière micro ça, étant que poudre et poussière, et moi, reconnaissant avec grâce et faveur, il fait moins. Dès que je moi-même tout, et il fait une grâce pour moi gagner un peuple merveilleux en face de moi qui toujours prend plaisir et pour savourer parole là. Et que parole la côté fruit. Nous disons bon Dieu merci car nous avons un peuple choisi, un peuple acquis. Nous disons bon Dieu merci pour ça qu'il fait à travers l'église mission évangéliste de la croix, pour le projet qu'il réalise, pour tout ça qu'il fait et ça va continuer à faire. Pour chaque monde qui est formé pour le ministère, pour chaque monde qui a un gourmand, qui prend plaisir pour faire travail là. Moi, je dis merci spécialement à Pasteur Joseph, Pasteur Béléis, nos diacres, nos dames. Merci pour le travail formidable qu'ils nous font. Pour le groupe nous a formé encore. Pour tout talent nous découvrir la caille, bon Dieu. Et que l'église par oisive nous dit bon Dieu merci. Et que ça continue pour la gloire de Dieu. On ferme les parenthèses là, nous parlons très direct dans le texte là qui était lu. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous connaissons à chaque fois que je me présente devant nous, parce que nous tous ces peuples formés qui ont la parole, moi toujours me dis c'est un rappel. Et je pense que Bergéo est d'accord avec moi aussi, parce que pour qu'ils aient un rappel, parce que nous déjà attendu et parole là déjà. Nous déjà attendu prêche déjà. Donc nous pas dit nous là pour nous prêcher, mais nous là pour nous exhorter, encourager. Parce que nous déjà attendu prêche déjà. Prophète Esaïe, c'est l'un des grands prophètes. C'est un prophète, comme nous connaissons prophète, c'est révéler parole cachée. Parole future, c'est-à-dire qui doit arriver. C'était le prophète. Et livre d'Esaïe aussi, c'est un livre de prophétie pour l'arrivée du Messie aussi, Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, Esaïe lui-même a gagné un rôle ça, et tant d'autres prophètes encore, pour te révéler, pour gloire bon Dieu, parole qui doit arriver. Parce que nous connaissons bien, comme dit l'apôtre Paul, tout prophète ou évangéliste qui est capable d'écrire une parole, bon Dieu, écrire un mot, c'est toujours inspiré par Dieu le Créateur. Ça veut dire peu importe personne qui présente devant nous, c'est toujours bon Dieu, le Saint-Esprit, bon Dieu, qui inspire mon ça pour capable le langage nécessaire pour dire une parole. Mais ça ne veut pas dire que à l'intérieur des paroles, ça n'a pas qu'à une erreur, pas qu'à une manquement, parce que nous n'avons pas encore parfait. Donc, pour nous dire que Esaïe, à travers Esaïe, bon Dieu lui-même qui parlait avec Esaïe dans les versets premiers, pour dire que Esaïe doit aller devant le peuple Israël. C'est l'Éternel même qui parlait à prophète Esaïe, qui dit à Esaïe pour y aller dans la famille Jacob du peuple Israël, pour la dire, pour ramasser force. Donc, sujet, nous sommes capables de gagner, nous sommes capables de parler, nous sommes capables de dire, c'est à travers la tribulation, à travers l'épreuve, à travers la douleur difficile. C'est grand courage ramasser force non. Parce que nous pas pour compte non. C'est Malène Guétan chantait pas mal de beaux cantiques qui déjà rappelait texte là
qui pour dire nous que c'est Jésus seul seulement. C'est Jésus-Christ seul seulement qui est capable de dire un mot à travers la tempête. Pourquoi? Parce que c'est Dieu le créateur qui nous a créés. Parce que c'est le Dieu tout-puissant qui est Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, et il n'y aura jamais d'autre Dieu que lui. Le fait est que c'est lui qui nous a créés. Il nous connaît. Tout comme un père terrestre, biologique, conçu avec une mère pour créer un enfant. Il connaît son père et son père connaît cet enfant. Mais parfois, vous savez comme moi, mes bien-aimés, souvent un père biologique peut abandonner son enfant, peut ne pas le reconnaître pour porter son nom. Ça s'appelle abandon. Mais Dieu, le créateur qui nous a créés, qui nous a formés, il a dit que non seulement il nous a créés, mais il nous a rachetés aussi. Il nous a rachetés. Mais on peut poser cette question pour dire pourquoi rachète? Pourquoi quand je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi? Pourquoi le mot rachète? Pourquoi? Mais vous connaissez l'histoire, mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur. On ne va pas revenir en arrière parce que ça va prendre tout le temps à nous. Donc nous prenons les droits au but pour nous dire que le fait est que l'Éternel dit les racheter, non? C'est parce que, puisqu'elle t'a fait créer, nous t'es déjà appartient à lui-même. Nous t'es affaibli. Mais après t'es fin créé, nous, au lieu nous t'es gagné bon sens, au lieu nous t'es été toujours dans pied reconnaissant pour comprendre grandeur, valeur, qui ça nous t'es fait? La plupart des peuples égyptiens ils étaient désobéis, ils n'ont pas été vraiment dans pied bon Dieu, ils n'ont pas suivre ordonnance bon Dieu vraiment. C'est la raison pour laquelle il dit que les racheter, non. Après toute désobéissance qui a été faite, après tout manquement, après toute infidélité, eh bien, l'Éternel des armées qui était toujours un grand roi, pour lui montrer que c'est lui-même, pas jamais gagné l'autre, il était obligé de faire un deuxième acte. Il était obligé de passer par le plan B pour dire qu'il peut racheter le peuple à nouveau parce que c'est lui-même qui t'a créé, non? Puisque c'est lui-même qui t'a créé, nous appartient à lui-même. Quel qu'il en soit, ça nous t'a fait qui mal, ça nous t'a fait qui pas fait plaisir. Nous à lui-même net, avec crayon effacé là, la efface tout ça, yo. La retiré, yo. Parce que nous déjà à lui-même, à moi tellement si grand, incommensurable, démesuré, sans limite. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à quitter nous à terre. Il n'y a pas qu'à quitter nous si bas. Il faut que nous toujours sous bras droite, pour être capable toujours à prélever nous. C'est ça que fait le deal et je te rachète. Je t'appelle pas ton nom. Ça veut dire que non écrit dans la main, bon Dieu. Bon Dieu, bon livre ouvert, la Kaeli, tout le monde nous écrit dans le livre. Ça. Parfois, il n'y a pas besoin de chercher le livre, il n'y a pas besoin de chercher où le roi, il seulement regarde dans la main, il dit non, nous tous. Donc, les mots rachète, on est capable de considérer le mot ça comme un mot Goël, qui signifie un défenseur en même temps. C'est un Goël. Et en hébreu, on est capable de dire Gaël. Ça veut dire que ce mot Goël, non seulement il s'est racheté, l'on racheté un bagage, ça veut dire qu'il était déjà appartient à vous-même, et puis on l'a venu pour prendre. Qui ça vous-même fait, puisque était déjà vous-même, pour re-racheter à fort encore? Puisqu'on te remet, c'est pour vous, vous te désirez, et puis l'autre l'a venu. Pas orgueil, pas jalousie, il vient acheter, il vient prendre la main. En plus, c'était gratuitement. Mais
tellement il était un bon Dieu d'amour, mais lui-même, il vient racheter sans argent. Il rachète nous gratuitement. Mais bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle il dit nous, puisque nous, à lui-même, nous ses affaires, le fait est que nous ses affaires, Dieu est toujours fixé sur nous-mêmes, nous n'avons pas d'ombre de variation pour lui. Il dit que lorsqu'il nous a traversé les eaux, il y a toujours avec nous. Je serai vers ça qui est au futur. Ça veut dire pas de limite. Quel qu'il en soit, côté où il est, ou à traverser de l'eau, ou de l'eau, nous ne pouvons pas parler de ces rivières. Nous connaissons la caille, nous avons traversé la lapine, fin tomber. Parfois, il faut nous faire attention parce qu'il y a brodé, nous aller. Mais bon Dieu dit de l'eau, même si nous avons traversé, nous n'avons pas besoin de peur. Si nous prenons exemple, Moïse devant la mer rouge, pour te traverser le peuple à la mer rouge, il était long, j'ai bâton et puis il mettait pied seulement devant la mer et puis il y a des murailles qui fait à gauche, à droite. Mais l'eau, ça, je dis, est-ce que nous sommes capables de dire c'est la mer rouge? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous ne sommes pas capables de considérer de l'eau comme la mer rouge, mais nous considérer comme les péripéties de la vie, les moments noirs, les tristesses, les problèmes incessables, c'est-à-dire nos problèmes vini, l'autre la vini, les virus de maladies qui s'accumulent, tantôt c'est une, tantôt c'est l'autre. Mais est-ce que nous devons avoir peur? Est-ce que ça veut dire que nous ne devons pas ramasser force, nous, puisque nous avons défenseur, puisque nous avons sauveur, nous avons libérateur? Est-ce que nous devons sentir nous faibles pour autant? Parce que nous gagnons vérité à nous-mêmes. Nous gagnons la parole là. Et ces paroles-là, éternel, ban nous, c'est lui-même qui zame nous, c'est lui-même qui boussole nous. Mais maintenant, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ça dépend comment nous comprenons la parole. Ça dépend comment nous mettons en pratique. Il dit que nous ne pouvons pas plonger dans la gloire. C'est-à-dire, problème, nous ne pouvons pas là pour longtemps. Difficulté, nous ne pouvons pas là pour longtemps. Parce que chaque jour suffit sa peine. Est-ce que dans les années avant, nos ancêtres, nos grands-pères n'ont pas eu ce genre de soucis? La peste, ils ont eu ce genre de problèmes. Ce n'était pas que la mer rouge, là, les Utéphines, qui étaient doués traverser pour les Utéphines qui étaient en Égypte. Ce n'est pas que la mer rouge, là, ils ont gagné. Ils ont rencontré d'autres problèmes encore. Mais malgré tout, ça que tu es pour aller, ça que tu es pour rester. Ça fait nous comprendre que malgré tout, les dangers, les difficultés ont toujours gagné. On reste. Des gens qui étaient passés depuis 99, 2000, ce sera la fin du monde. Mais ce serait trop facile, mes frères et sœurs. Ça veut dire que la parole est vaine. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité. Et pourtant, la parole est véritable. Non, ce serait trop facile. Il faut que la parole propage d'abord. Il faut que la parole s'émaille dans le monde entier, toutes les nations, tous les peuples. Et ce serait trop facile si pour la fin est arrivée ainsi. Donc, bon Dieu parlait à Esaïe pour dire Esaïe, petit peuple là, ramassez force, ramassez courage, même si tu as un buffet qui campe devant, qui vous venez faire chemin pour dire pas passer. Mais au nom du sang versé à la croix, l'Éternel des armées est toujours là. Parce qu'il est défenseur par excellence. Qui sait nous capables de les feux? Nous sommes capables de prendre exemple. Moïse, l'Éternel est venu pour parler à Moïse à travers les buissons ardents. Mais les buissons ne consumaient pas. La flamme était là, gigantesque. Les buissons ne se consumaient pas, mais tout simplement parce que Dieu lui-même, il est un feu dévorant. C'est la raison pour laquelle il parle de cette flamme de feu. On ne peut pas se brûler dans une flamme.
Et puisque Dieu nous a créés à son image aussi, nous sommes, on peut dire que le fait est que Dieu a investi en nous, pourquoi pas dire aussi le fait qu'il a mis en nous, on peut être comme lui aussi. Ça veut dire qu'on peut avoir cette flamme. On a déjà cette flamme en nous. Mais comment garder cette flamme allumée? Comment garder cette lampe avec de l'huile pour que ça reste allumé, pour que ça reste toujours bouillanté? Cette flamme-là, elle est en nous, au-dedans de nous, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Mais c'est à nous-mêmes de faire des efforts pour que cette flamme soit toujours allumée. Comment cette flamme peut rester allumée? C'est quand on cherche la présence de Dieu. Quand on est dans ses pieds, quand on s'y plie vraiment avec sincérité, fidélité, quand on les cherche systématiquement, là on peut comprendre que cette flamme est allumée à l'intérieur de nous. Mais aujourd'hui, quand il parle de ce feu-là, est-ce qu'il s'agit de ce feu qu'on peut aller marcher dans un feu? Les sapeurs-pompiers pour éteindre un feu dans des forêts ou dans un immeuble, il faut un EPI, c'est-à-dire un équipement plus de 25 kilos, si je ne me trompe pas, pour pouvoir embrasser cette flamme. Il faut une protection adéquate. Sans ça, il se brûle aussi dans le feu. Mais nous, le fait est que nous avons cette flamme qui est déjà en nous. C'est la raison pour laquelle Dieu nous demande d'avoir le respect, la crainte pour lui, pour que cette flamme soit toujours allumée. Sans ça, mes frères et sœurs dans le Seigneur, ça ne sert à rien, notre travail est vain. Nous devons chercher la présence de Dieu systématiquement. Les flammes, qu'est-ce qu'on peut considérer comme flammes? Par exemple, c'est ce virus des maladies qui vient pour étouffer, engorger, on peut appeler ça de flamme. Mais nous qui avons la vérité, nous qui sommes les enfants de Dieu, les corps de Dieu, nous avons cette ferme assurance, nous avons confiance en Dieu que cette flamme ne peut pas nous atteindre parce que nous avons confiance à un grand roi, à ce défenseur qui est toujours là. Car il reste toujours le Dieu d'Israël. Nous sommes le peuple Israël actuellement. Nous sommes ce peuple dont il parle. Il s'adresse pour dire au grand prophète, pour transmettre ce message au peuple Israël, selon sa promesse, selon l'alliance qu'il a scellée avec nous. Et il a dit aussi, laissez d'Israël ton sauveur. Il a dit qu'il donne. Il donne l'Égypte. Il donne l'Égypte pour ta rançon. Cette rançon, mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'était la dette. Cette rançon pour que nous sommes ici aujourd'hui, il a fallu qu'il paye ce grand prix pour que nous nous réveillons pour savoir qui nous étions avant, des brebis égarées, errants sans lumière. Mais il reste un Dieu incommensurable. Son amour est tellement immense, c'est la raison pour laquelle il nous a rachetés. Il a dit qu'il donne de l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie, ça va à ta place, à ma place. Ça veut dire, mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous rappelez les peuples égyptiens, c'était une partie seulement qui ont pu traverser la mer Rouge pour se faire baptiser dans cette eau pour pouvoir vivre ces moments bénis. Les peuples d'Israël restent encore la plupart rebelles. Les peuples d'Israël, malgré tous ces sacrifices que Dieu a fait,
mais il y avait encore des peuples rebelles et nous vivons encore avec pas mal de peuples rebelles encore. Mais ces prix-là, ils ne reconnaissent pas la plupart de ces prix-là. Ils ne reconnaissent pas la plupart de ces sacrifices-là. Ils ne reconnaissent pas la plupart de cet amour démesuré. Mais seulement Dieu qui peut toucher les cœurs. Mm-hmm. Seulement Dieu qui peut incarner une personne avec son Saint-Esprit comme il l'a fait. Il l'a déjà fait, il peut le faire encore. Parfois, le peuple sont rebelles. Pourquoi? C'est parce que le cœur n'est pas vraiment là. C'est parce que le cœur est encore endurci. Et on ne peut rien faire par la force, par la parole. C'est que la parole qui peut toucher le cœur d'une personne. C'est que la parole qui peut éveiller une personne avec la lumière de Dieu. Et frères et sœurs dans le Seigneur, il a dit qu'il a donné des peuples à notre place. Est-ce que nous sommes reconnaissants aujourd'hui à travers cette grâce, cette faveur imméritée? Ce n'était pas parce que nous étions bons envers Dieu, mais seulement il nous a fait cette grâce imméritée. Est-ce que à travers les problèmes, les soucis, nous allons continuer à garder la force, nous allons continuer à garder courage pour dire que je ne suis pas seule dans ces moments durs, dans ces moments noirs, dans ce monde pervers où le monde entier est sous la puissance du malin? Mais nous, en Jésus-Christ, nous avons la vérité. Nous, en Jésus-Christ, nous avons cette espérance, cette assurance que nous ne serons jamais seuls. Il reste jusqu'à la fin l'Éternel, ton Dieu, le Créateur, invisible. Il est aussi celui qui marche devant toi. Puisque tu as du prix, puisque nous avons du prix à ses yeux, il a parlé pour dire en tu, deuxième personne du singulier. Ça veut dire qu'il parle à son église en individuellement. Il parle pour moi, il parle pour vous. Il parle pour nous en individuellement pour dire que nous sommes ses enfants qu'il chérit. Nous sommes ses enfants qu'il met sur ses genoux pour chuchoter, pour communiquer les belles choses à venir, pour communiquer sa gloire à venir après tant de souffrances de Dieu la veuve. Même si vous ne les voyez pas, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est parce qu'il est, et il reste un Dieu invisible. C'est seulement par la foi nous pouvons sentir sa présence. C'est seulement par la foi nous pouvons remarquer qu'il est toujours tout près de nous. Lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes attristés, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il faut veiller et prier. Selon les livres de Matthieu, chapitre 26, verset 41. Pourquoi veiller et prier? Parce que cette chair-là, elle est faible. N'oubliez pas que nous sommes poudre et cendre. Il n'y a rien de bon en nous, seulement ce souffle de vie. Si nous respirons sans oxygène, c'est une grâce. Si nous sommes là avec nos membres, on peut bouger, on peut danser pour le Seigneur, comme psalmiste David. C'est une grâce. Et les autres qui sont déjà partis, est-ce que nous avons un avantage ou quelque chose en plus? Non, mais frères et sœurs dans le Seigneur, seulement une grâce. Parce que nous cherchons sa présence, parce que nous restons à ses pieds, parce que nous cherchons à être simples comme lui, humble comme lui, parce que nous cherchons la simplicité, la sainteté, la justification pour toucher à cette gloire. Il faut continuer à chercher sa présence, il faut continuer à veiller
car l'adversaire est rusé. N'oubliez pas comment il était rusé. C'est ce même adversaire qui nous poursuit encore. C'est cet ennemi qui nous poursuit encore pour enlever cette grâce que Dieu nous a faite, pour enlever cette beauté. Comme Saint Malène a dit tout à l'heure, vous êtes beau. Mais est-ce que si vous étiez sous un arbre, vous seriez si beau? Est-ce que si vous étiez dans une chambre minuscule où il n'y a pas d'interrupteur pour vous éclairer, vous seriez aussi si beau? Non. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, cette grâce que Dieu nous a faite, non seulement elle nous protège, elle nous sécurise, mais elle nous embellit aussi. Elle nous embellit, mais c'est à nous-mêmes de faire des efforts. C'est à nous-mêmes de ne pas rester en bas d'échelle. Il faut grimper l'échelle de Jacob pour voir comment cette grâce nous pénètre. Cette grâce peut, elle peut nous aider à aller où on veut, mais toujours avec la présence de Dieu. Toujours les dieux, les créateurs, comme notre guide, puisque nous suivons ses empreintes. Si cette veut bien mettre les cantiques 17, numéro chant d'espérance, où on en trouve des paroles qui dit que nous devons suivre les empreintes de Dieu. Si nous faisons des choses nous-mêmes, nous n'irons pas loin, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Il faut être toujours guidé par le Saint-Esprit. Il faut être toujours guidé par sa présence qui nous conduit, parce que c'est une grâce, c'est un bonheur de les connaître comme amis. Mais est-ce que vous faites cet ami le vôtre aujourd'hui? Est-ce que vous reconnaissez cet ami aujourd'hui? Est-ce qu'il est à vos côtés dans les moments difficiles où vous sentez mal à l'aise, où vous sentez dans un moment de découragement, dans un moment où tout vous semble noir en Christ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir. Mais qu'est-ce que Dieu vous dit? Il dit non, gardez la force, gardez l'espoir. Parce que lui, il est toujours là. C'est lui qui vous délivrera. C'est lui qui séchera vos larmes. C'est lui qui peut vous sauver. C'est lui aussi qui peut vous retirer dans les tristesses. Amen. Les larmes qui coulent dans vos yeux. Peu importe la raison. Aujourd'hui, Dieu vous dit qu'il est et il sera jusqu'à la fin. L'Esprit consolateur qu'il nous a laissé. Nous ne sommes pas seuls et nous ne serons jamais seuls. Amen. Puisqu'il a donné d'autres peuples à notre place. Et verset 4. Puisqu'on a du prix à ses yeux. Puisqu'il nous reconnaît par notre nom. Ses sœurs Maude. Ces noms-là, c'est un cadeau que Dieu t'a fait. On a ajouté sœur pour dire frère, mais c'était pas si facile. Mais Jésus-Christ, lui, il a subi l'agonie amère, il est allé jusqu'au bout pour accomplir cette libération, pour accomplir cette grâce que nous sommes l'objet ce matin. Cette grâce dont nous vivons ce matin, Jésus-Christ est allé jusqu'au bout pour ça. Et il reste notre défenseur, il reste notre intercesseur, il reste notre avocat. Mais c'est la raison pour laquelle le fait est qu'on a un berger qui veille sur nous, qui est toujours là avec nous, nous devons continuer à chercher sa présence. Il dit parce que tu es honoré. Quand on dit on honore un enfant, on l'aime, même lorsque l'enfant désobéit, il fait des bêtises. On pardonne ses erreurs, on pardonne ses bêtises. On continue à l'aimer. Pourquoi? Parce qu'il est notre chair, notre sang. On ne peut pas haïr son sang et sa chair, mais on va détester les bêtises. On va détester les désobéissances. C'est Dieu d'amour. Il est beaucoup plus qu'un père terrestre. Parce que lui, il est un Dieu.
Dieu dans la colère et sa bonté. C'est la raison pour laquelle son amour dépasse tout. Et il a dit aussi, il donne des hommes toujours à ta place. C'est-à-dire à ma place. À la place de Jacques-Enoch, il a donné des hommes. Des peuples. Mon Dieu, quelle assurance. Quelle grâce. Ça veut dire que ces hommes-là qu'il a donnés pour notre vie, c'est des hommes qui sont déjà dans les séjours des morts. C'est déjà des hommes que ces grands eaux ont emportés, que ces flammes ont enflammé, parce qu'ils n'avaient pas cette assurance, parce qu'ils n'avaient pas cette espérance. Ils sont dans les séjours des morts à notre place. Comment ne pas aimer ces grands dieux? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas se plier devant lui à chaque fois? Mais comment ne pas avoir de l'engouement pour venir à ses pieds, pour faire ce travail qui demande, qui n'est rien du tout? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, si vous saviez combien c'est Dieu aime l'obéissance dans son travail. Il aime l'obéissance, ne serait-ce qu'un peu. Toute la grâce que Dieu m'a fait pour arriver ici, c'est parce que j'avais l'engouement, j'avais l'envie de découvrir encore et encore ces paroles merveilleuses. J'aime quand je chante malgré ma voix et malgré moi, j'aime quand je chante pour Dieu. J'aime quand je dis une prière, même si on ne sait pas prier, même si on ne sait pas chanter, mais on ne le fait pas pour nous-mêmes ou pour les autres. Qu'est-ce que les autres peuvent nous faire puisque on ne chante pas pour les autres, on ne prie pas pour les autres, on est des soldats. Pourquoi prendre un rendez-vous pour prier? Est-ce que vous-même, vous avez des rendez-vous pour prier? Est-ce que vous-même, vous chronométrez? On est déjà soldats, puisque cette flamme est en nous. Ça veut dire partout on passe, on peut chanter, on peut prier. On n'a pas besoin de prendre des rendez-vous comme si on allait voir un médecin. Non, on est toujours prêt à répondre présent. C'est ce genre de personnes que Dieu chérit plus. Quand on est fidèle, on n'est pas là aujourd'hui, demain je suis ailleurs. Pour faire quoi? Pour regarder un film télévision plus intéressant? Pour regarder des choses inutiles où il n'y a pas de vérité? Ce serait malheureux parce que Dieu prend plaisir quand on est fidèle. Dieu prend plaisir quand on le cherche vraiment de tout son cœur. Mais si c'est pour faire semblant, ça ne sert à rien. Si c'est pour montrer que je suis grand, je fais ce que je veux, je suis présent quand je veux, mais quand je ne veux pas, je suis absent, malgré je n'ai rien, j'ai toutes mes forces, je n'ai pas de douleur, je ne suis pas à l'hôpital. Et les autres qui sont à l'hôpital, ils ne peuvent pas jouir cette grâce. Par moment, vous vous sentez tellement faible. Vous n'avez même pas la force pour fredonner un cantique, pour chanter un chœur. Mais quand vous pouvez, pourquoi ne pas profiter de cette grâce? Pourquoi ne pas exploiter cette grâce? Parce qu'il y a deux jours, vous ne pouvez pas. Il y aura des moments plus difficiles que ça. N'oubliez pas, il nous a prévenus. Il a dit dans le livre de Timothée, dans les derniers jours, nous aurons des moments difficiles. Nous aurons des difficultés. Donc on peut dire ce qu'est le commencement des problèmes, des difficultés. Dans ce cas, nous devons nous d'emblée avec la présence de Dieu. Nous devons nous remplir nos poumons, remplir tout ce qui est vide à l'intérieur de nous. Il faut que cette lampe reste toujours remplie avec d'huile, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Il faut que cette lampe ne soit pas une lampe où si un vent passe, il n'y a plus de lumière. Moi qui viens de la campagne, je peux connaître une lampe qui n'a pas de verre pour cacher cette lumière. Et si ce verre est sale aussi, on ne voit pas la lumière. Parce qu'il y a toute la saleté. Vous qui venez de la campagne,
moi, vous pouvez comprendre ce que j'ai dit. Cette lampe, c'est comme une petite flamme dans les airs, mais s'il n'y a pas une protection dessus, pour protéger cette flamme, ça ne durera pas. Mm-hmm. À tout moment, un vent passe, oui. Elle n'est plus. Mais quand cette flamme est cachée à l'intérieur, ça veut dire que nous la remplissons. Cette flamme reste toujours ébouillante, non tiède. Il faut que ce soit bouillante, il faut que ce soit chaude, puisque nous sommes cette flamme. Ça veut dire que chez nous, je me rappelle, il y a des groupes évangélistes, quand ils vont en mission, ils ont un petit cœur qui dit, ne touche pas à cette armée, sinon vous vous brûlez. Mais c'est qui l'armée? C'est nous en individuellement. Cette flamme est en nous. C'est la raison pour laquelle nous avons aucune peur, aucune crainte, parce que nous avons cette espérance. Nous avons cette lumière qui brille en nous. Nous avons cette joie pour dire, malgré tout, j'ai la force et le courage. Le verset 5 qui dit, ne crains pas, toujours n'aie pas peur. C'est la deuxième fois qu'on a trouvé le mot ne pas peur dans ces chapitres. N'aie pas peur. N'aie pas peur car je suis et je serai. Je suis celui qui suis. Pour dire, je n'ai pas oublié mes promesses. L'alliance reste fidèle. L'alliance reste et restera jusqu'à la fin. Il nous dit encore, je ramènerai. Quand je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient ta race. Et je te rassemblerai de l'Occident. Ça veut dire, nous les peuples haïtiens, il y a d'autres nations aussi qui cherchent Dieu comme nous. Il y a d'autres peuples aussi qui cherchent Dieu comme nous. Sincèrement, il y a d'autres peuples, d'autres nations qui doivent se réunir aussi pour louer Dieu, pour dire que Dieu est grand. Mais Dieu nous promet qu'il va nous rassembler, quel qu'il en soit l'origine, quel qu'il en soit le peuple. Mais Dieu les a choisis et ils seront réunis au temps fixé. Vous trouvez ce texte eschatologique, Ésaïe 35, le verset 10. Les rachetés retourneront et diront aussi. Je vous encourage, mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez les rachetés de l'Éternel. Soyez un peuple bienheureux. Soyez un peuple fort, solide. Soyez un peuple qui cherche la sainteté, qui cherche à garder sa flamme allumée pour ne pas avoir peur de grand des eaux, pour ne pas avoir peur de flamme. Malgré les difficultés, malgré les moments noirs, il vous aime. On appartient à lui. Nous sommes ses affaires, son argile. Il nous forme, il nous change. Il voit tout ce qui mérite d'être changé en nous. Seulement, laissez-le vous trouver étant qu'argile. Qu'il en soit ainsi pour vous et moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Thank you.
Je suis le Seigneur.
Dans votre vie, dans votre relation avec les autres. Que vous aimez.